matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message de ce mercredi 12 avril 2023. On continue toujours dans le tarot, la sagesse des anges, et on terminera avec le petit oracle des anges gardiens. Mais avant de commencer, j'accepte de prendre conscience que chacun a sa place et que je dois prendre la mienne. J'accepte de m'aimer davantage, de m'affirmer et d'exprimer mes besoins en un mot d'être moi. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui, j'ai pigé le 9 de terre. Alors, la suite de terre, de quoi parle-t-elle? Elle parle des aspects matériels de l'existence. Par exemple, comme l'état des finances ou les moyens de gagner sa vie et de subvenir aux besoins aussi de sa famille lorsque nous avons une famille. Le 9 de terre, les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, succès, satisfaction, luxe et autonomie, rien ne vous a été donné dans votre vie. Tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez travaillé, tout ce que vous avez travaillé durement, vous méritez cette période où vous allez jouir simplement des fruits de votre labeur, vous allez récolter ce que vous avez semé. Ouh, cela fait du bien, n'est-ce pas? Vous pouvez aussi choisir de vous récompenser par de longues vacances, pourquoi pas? Ou peut-être en vous offrant un cadeau spécial. Peut-être que certains d'entre vous vous approchez de la retraite. Ou peut-être votre aisance financière vous permet-elle de travailler pour le plaisir et non pour l'argent. Parfois, cette carte peut signifier que vous pourriez arrêter de travailler, mais que vous n'êtes simplement pas prêt. Et peut-être, ça peut être bénéfique de passer du temps dans une solitude confortable, peut-être en profitant, de la vie, de la nature. Vous n'avez plus besoin de la compagnie des autres pour être heureux avec le travail que vous avez effectué sur vous. Nous n'avons pas besoin d'une personne pour être heureux. Enfin, cette carte est très positive, n'est-ce pas? Profiter des fruits de son labeur, vivre dans le luxe grâce à un travail acharné. Et quand on dit vivre dans le luxe, avec modération, et c'est pas le bling-bling, n'est-ce pas? S'acheter quelque chose de spécial, ça peut être un voyage spirituel, ça peut être aussi faire un cursus, travailler à son compte avec bonheur et succès, savourer la solitude. C'est vraiment une carte de réussite. Et c'est une carte de réussite en tant que travailleur indépendant. Et pour certaines personnes, vous créez un bel environnement autour de vous. Ça peut être aussi que vous redécorez un petit peu votre intérieur et ça peut être aussi vouloir dire une rentrée d'argent qui est inattendue, et pourquoi pas profiter des plus belles choses de la vie, n'est-ce pas? Avec, pourquoi pas, des animaux et la nature. L'archange Uriel fait briller le soleil sur votre visage
et vous avez mérité cette période de paix qui vient récompenser votre dur labeur, votre dur travail que vous avez fait durement. Vous vous êtes acharné. Eh bien, Ouriel vient vous récompenser. Demandez à Ouriel de vous accompagner dans cette belle période de récompense, d'abondance que certains d'entre vous auront récolté aujourd'hui. Donc Ouriel est là pour... Vous savez, les archanges sont là pour le meilleur et pour le pire. Et on appelle toujours les archanges quand on a des problèmes, mais on peut les appeler aussi lorsque, voilà, on est récompensé et pourquoi pas partager ça avec l'archange, ici l'archange Ouriel. Voilà, je termine avec le petit oracle des anges gardiens. Pardon, j'ai pigé pardon. Tiens bon, car une douleur du passé est là pour te prévenir que tu dois avancer et accomplir les désirs de ton cœur. Laisse-la partir. Pardonner ne signifie pas que tu approuves les actions des autres, n'est-ce pas ? Cela signifie simplement que tu n'as plus à être la victime perpétuelle d'une personne ou d'un événement. La culpabilité gâche ta précieuse énergie. Bénis et pardon les douleurs du passé, car en agissant ainsi, tu vas récolter la joie dans ta vie. Oui, que dire encore sur le pardon ? Je ne cesse de le clamer, pardonner, c'est vraiment indispensable pour être heureux et vivre heureux. Pardonnez pour vous, pardonnez-vous ce que vous avez fait, pardonnez aux autres. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, portez-vous bien et moi je vous embrasse, à demain.